kebab arrive à la maison. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'ai vu qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont testé ce que j'ai dans la boîte. Donc c'est une machine pour faire du kebab à la maison. C'est une machine qui se trouve sur Amazon, donc je me suis dit on va tester. Et aujourd'hui, on va... La table grince toujours, on va se faire un kebab maison. Je vous explique la recette, ça va être très très simple. En tout cas, le but c'est qu'on déballe la machine, qu'on cuisine, qu'on teste. Est-ce qu'on va arriver à faire du kebab à la maison? Je l'espère, parce que j'adore ça le kebab. Balance ton grec. Ah ouais, ça rigole pas. Oui, je galère à sortir ce truc du carton. Ah, ils ont pas déconné sur la taille, hein. Je m'attendais à avoir une petite machine. On va pouvoir ouvrir un vrai kebab sur des verrous, là. Alors, comment ça se passe, ce truc? 45 minutes de cuisson. One rotisserie speed, two forks. You can be do what we want to do. Maintenant que je sais comment marche la machine, on va préparer plus important dans le kebab. C'est bien sûr la viande. Balance ton grec. Alors, pour la viande, il vous faudra pas mal d'épices. Je vous mets le détail en description. Il faudra un citron, de l'huile d'olive. Pour la viande, j'ai fait un petit mix. Donc, poulet, veau et dinde. Et puis, il vous faudra un grand plat. Donc, soit un bol en plastique, soit comme moi, dans une poêle. Ok, donc première étape, on va s'occuper de découper la viande. Donc, la viande, vous allez voir, ça va être assez simple. Donc là, vous pouvez un petit peu taper sur la viande pour un petit peu l'affiner. Donc c'est ce que je vais faire. Paf! 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 Sous sa gueule. Donc voilà, ici pour le veau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la viande en deux. Puis ensuite, encore une fois en deux pour qu'on ait des petits morceaux assez fins. Et ces morceaux de viande, on va les mettre dans le plat. On va faire pareil pour tous les morceaux de viande et ensuite on va assaisonner ça. Regardez-moi ça. On a un mélange de viande et maintenant on va faire la partie la plus importante, c'est bien sûr l'assaisonnement. Et on va commencer par saler la viande. On poivre. On va ajouter un peu d'ail en poudre, des herbes de Provence, du paprika, un peu de cumin moulu, du jus de citron. Ça a l'air déjà très très bon comme ça. Hein. Dernière étape, on va ajouter un petit peu d'huile et on mélange une dernière fois avec les mains bien propres. Alors là, idéalement, une fois que vous avez ça, il faudrait le laisser toute une nuit au frigo. Donc vous le mettez dans un petit tube et vous laissez la nuit au frigo comme ça. Toutes les saveurs de la marinade vont bien s'imprégner à la viande. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi le faire là comme je vais le faire en express. Donc maintenant, on va préparer la fameuse broche. Les trois mousquetaires. Je suis venu à Paris pour être l'un des vôtres. Bon, et bien c'est parti pour la création de la fameuse broche. Regardez, elle donne envie, hein, cette belle broche de viande là. Et bien maintenant, on va utiliser cette fameuse machine et on va faire cuire la viande. Oh ! J'ai allumé, ça tourne. Bah ouais, logique. A few minutes later. C'est bizarre ça, la machine vient de s'éteindre. Est-ce que ça a fait sauter le courant? Le moment où Charles a posé la caméra, la machine ne marche plus. Génial. C'est mort. Alors c'est pas la machine qui est cassée. Aïe aïe aïe. Wow. Mec, j'ai failli me brûler. La machine fait sauter les plombs, donc je dois tout refaire. Le Saint Graal qui tourne, regardez-moi ça. On a enfin une machine à kebab qui fonctionne. Donc du coup, rebelote, j'ai recuisiné une broche. On a une bonne broche de kebab qui est en train de cuire doucement, délicatement. On va la laisser griller. Passer à la dégustation, mais je pense qu'on va déguster ça seulement dans 30-40 minutes parce que ça va cuire très 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 doucement. Franchement, moi je peux être patient, je peux être même extrêmement patient quand c'est pour manger du kebab maison. Oh. A few minutes later. Ah, voilà, là on a du vrai kebab bien grillé. Je vais commencer à couper, on va voir si ça marche bien. Et la viande elle est bien juteuse. Dommage que j'ai pas la roulette électrique là. Ça coûte beaucoup mieux que le couteau du coup.
c'est impressionnant parce que là on a vraiment l'impression d'être au kebab. Et regardez les morceaux de kebab qu'on a, ils sont bien grillés. The prophecy is true. Waouh, c'est archi bon. Ah, on va passer à la meilleure partie, la cuisine. Après on va faire la dégustation. Donc j'ai bien envie de me faire un wrap. Je vais rajouter de la sauce kebab. Alors c'est pas de la vraie sauce blanche, c'est du tzatziki. C'est un peu plus épais, mais franchement ça passe super bien avec le kebab. Ça rapporte un petit peu de fraîcheur, un petit peu de texture. Et moi j'adore ça. Ça c'est la cuisine que j'aime. Regardez-moi cette belle viande de kebab. Et là ce qui est bien, c'est que vous êtes à la maison, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez en viande. Bon, je vais me faire plaisir. Hein. Maintenant on va rajouter les classiques salade, tomate, oignon. Et on va se régaler. Et là vous pouvez rajouter de la feta, des légumes grillés. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas là on a un beau kebab. Voilà, là, là, là. Regardez-moi ce kebab. J'ai encore beaucoup de viande, donc je vais pouvoir manger plein de kebab. Maintenant, on va goûter. J'ai l'impression de me retrouver en 2014-2015 quand je faisais toutes ces recettes maison où je me régalais avec des c'est une tuerie. Là franchement c'est abusé, la viande elle est bien cuite. Le mélange avec salade, tomate, oignon, on le connaît tous, il est parfait. C'est un délice. Donc avant de passer au débrief de cette vidéo, n'hésitez pas à exploser la barre des likes si ça vous a plu. D'ailleurs, je sais pas, 150 000 likes, j'irai goûter peut-être le kebab le plus cher du monde. Je sais pas encore pour ça, mais je pourrais le faire. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez voir ça. Et puis dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous dites donneur, kebab, grec, parce que ça c'est un éternel débat, je pense qu'on n'arrivera même pas à le régler, mais en tout cas n'hésitez pas, ça me fera un peu plus de commentaires et de référencement pour la vidéo, on va pas se mentir. Quelle indignité. Et puis bien sûr vous pouvez cliquer en bas sur le bouton rouge pour vous abonner. Et finalement débrief sur cette machine, elle est pas mal du tout. Le gros point faible je dirais c'est le temps, faut être extrêmement patient, mais franchement ça vaut le coup. Par contre ça ne remplacera jamais la vraie machine et la vraie viande kebab que vous pouvez acheter dans votre donneur préféré. En tout cas moi je vais vous laisser sur ça, je vais faire plaisir. Je vais déguster.